la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux. André Malraux. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Du christianisme au christianisme, en passant par l'hindouisme, le bouddhisme et le soufisme, c'est un véritable tour du monde de la spiritualité que nous vous proposons d'effectuer ce soir en compagnie de notre invité Arnaud Desjardins. Arnaud Desjardins, bonsoir. Bonsoir. Chrétien, en effet, vous êtes né et chrétien vous restez. Et cependant, car si le christianisme est toujours votre famille, votre christianisme d'aujourd'hui est bien différent de celui de votre famille. Une famille de protestants stricts et austères, où le bien c'était bien le bien, et le mal c'était bien le mal. Exemple, le théâtre, pour vous c'était le rêve. Eh bien pour vos parents, c'était un véritable cauchemar. Leur rêve à eux pour vous, un beau diplôme et un beau parti. Double rêve et rêve réussi, ou presque. À 24 ans, leur Arnaud est en effet lauréat en droit et en sciences politiques, et de surcroît, le voilà fiancé. C'est sans compter sur la malédiction. La tuberculose vient tout contrarier, la carrière et plus grave, le mariage. Vous croyez mourir, vous allez ressusciter. Grâce à la lecture, en effet, une nouvelle vie commence pour vous, à la bibliothèque du sanatorium, vous découvrez de véritables trésors. Des livres rares sur les spiritualités orientales, des livres signés Jean Herbert, le grand spécialiste de l'Inde, ou René Guénon, le grand soufi au service de l'unique, ou encore Georges Gurdjieff, du nom de ce diable du Caucase, exilé à Paris, où il fascine autant qu'il inquiète. 1959. Devenu entre-temps réalisateur à la télévision, vous débarquez en Inde pour la première fois, caméra 16 mm au point. Résultat, un document exceptionnel sur les grands maîtres spirituels vivants. Swami Sivananda, Swami Ramdas et Mahananda Mahi. Succès public et chose rare, succès critique. François Mauriac ne crie-t-il pas au miracle de la télévision en évoquant le regard de la sainte hindoue comme il l'appelle. Ashram, c'est le titre de ce coup d'essai et de ce coup de maître, le premier d'une série de 11 reportages sur les principaux courants spirituels d'Orient, dont ce message des Tibétains, tourné en 64-65, et qui nous permet pour la première fois d'approcher sa sainteté, le Dalaï Lama. Film, livre, conférence, en quelques années, vous voilà devenu le guide de nombreux Occidentaux sur les chemins de la sagesse, allusion au titre de l'un de vos principaux ouvrages paru aux éditions La Table Ronde, en 3 volumes et sans cesse réédité depuis. Mais votre quête n'est pas seulement intellectuelle, professionnelle. Réaliser des documentaires, c'est bien, mais se réaliser, c'est mieux. Pour y arriver, 9 années vous seront nécessaires, 9 ans d'enseignement avec un sage indien, Swami Prajnanpad, un homme en tout point remarquable, d'une intelligence et d'une spiritualité supérieure qui deviendra votre père spirituel. En 1971, vous accédez à l'éveil, comme on dit, et sur les conseils insistants de votre gourou, c'est ainsi que l'on désigne en effet en Inde le véritable sage, nous aurons l'occasion de nous expliquer là-dessus tout à l'heure, vous décidez d'ouvrir un ashram, une sorte de centre d'animation spirituelle en Auvergne, et de transmettre à votre tour les principes de la sadhana, l'ascèse hindoue, activité qui vous requiert aujourd'hui à temps plein pratiquement, et que vous exercez désormais à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche. Devenu maître à votre tour, vous êtes resté fidèle à celui qui vous a montré la voie,
mais aussi et surtout fidèle à vous-même. Ni hindou, ni bouddhiste, ni musulman, dites-vous, mais tout simplement chrétien. Un chrétien entre deux rives, celle d'Orient, celle d'Occident. Arnaud Desjardins, dans un livre paru il y a quelques années à la table ronde, en relisant les évangiles, vous écrivez ceci. J'ai été impressionné de découvrir le même fond commun au taoïsme, à l'hindouisme, au védanta, au bouddhisme, au soufisme. Est-ce la raison pour laquelle vous avez écrit notre titre de cette manière-là? Oui. Bon, ce fond commun, disons tout de suite, il a été exprimé de manière si différente et en apparence si contradictoire que ce que mon affirmation pourrait être vite mise en cause. Vous savez, ce qui a marqué ma recherche, ça a été beaucoup plus que la lecture de livres ou l'étude érudite, ça a été la rencontre. Rencontre avec des hommes et des femmes considérés dans leur tradition comme des maîtres spirituels ou des sages ou des saints. Et ce qui m'a avant tout frappé, c'est, à propos de ce fond commun, c'est le fond commun dans ce qui émanait d'eux, dans ce qu'ils incarnaient, et dans leur réponse à un certain type de questions. Si les questions ne sont plus uniquement doctrinales et théologiques, mais concernent une recherche personnelle, recherche de la paix, recherche de la purification intérieure, recherche de l'amour. Vous pensez que c'était exactement le même regard sur Dieu que celui de Mahanandamayi, celui de Swami Prajnanpad, celui de Deshimaru? C'est ce que je dirais un regard, c'est plus une expérience, une communion. Alors de savoir ce qui subsiste ou non de distinction entre l'individualité humaine et la réalité ultime, ça a été discuté pendant 3000 ans, 2000 ans. Je ne veux pas entrer dans ces détails. Mais tous ces enseignements pointent vers le un. Je me souviens d'un souvenir, mais tout début de mes rencontres avec des soufis en Afghanistan, le premier maître que j'ai rencontré, je parlais à peine le persan, surtout pour acheter de la nourriture ou voyager, j'avais un très bon interprète avec moi, et ce maître me répétait intensément « yak ast do nist », qui signifie « un est, deux n'est pas ». C'est la grande affirmation de l'hindouisme. C'est toujours cette idée réalité ultime qui ensuite s'exprime, se manifeste par des formes indéfiniment multiples. C'est le principe de non-dualité en quelque sorte. Oui. C'est ça. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie en clair? Quand on dit le Brahman, c'est l'Atman, que veut-on dire exactement? On dit plutôt l'Atman, c'est le Brahman. Ça, c'est l'affirmation védantique que le fondement ultime de notre réalité, réalité d'être, de conscience, d'existence, c'est le fondement ultime de toute la réalité. Mais on pourrait très bien rapprocher cette affirmation hindoue de la parole de saint Paul, « Dieu n'est jamais éloigné de nous, en lui nous avons l'être, le mouvement et la vie, ou en lui nous sommes, nous nous mouvons et nous vivons. » Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Oui. C'est ça. Donc, oui, j'ai choisi d'écrire Dieu au singulier, mais les noms sont multiples. Alors, cette idée de tradition primordiale, de fond commun, n'est pas neuve. Elle était notamment présente déjà dans l'œuvre de Gurdjieff, que vous n'avez pas rencontré, mais qui a beaucoup compté pour vous. À une époque, oui. Hein? Alors, Gurdjieff, qui a écrit, entre autres choses, ses rencontres avec des hommes remarquables, dont Peter Brook a fait un très beau film. Finalement, votre vie, pour paraphraser ce titre, c'est aussi une suite de rencontres avec des hommes et des femmes remarquables. Ah oui, ça a été, avec les années qui passent, c'est ce qui a dominé toute mon existence. Ce sont, en effet, des rencontres, non pas avec des idées qui m'auraient bouleversé, mais avec des êtres humains vivants. Alors, c'est le témoignage le plus impressionnant. Alors, est-ce qu'il y a eu des chrétiens dans cette galerie d'hommes et de femmes? Ah oui, oui. Ah ben, à une époque où
Je ne croyais pas que l'existence me donnerait la possibilité de voyager en Asie en finançant ces jours d'études par le tournage de films pour la télévision. J'ai découvert en France un monastère cistercien, trappiste. Ce qui, pour un huguenot, mais dans le protestantisme, était déjà une aventure, découvrir la vie monastique. C'était un péché presque. Non, mais exactement. Mais ça a été une révélation, la vie contemplative, et je suis, si je puis dire, devenu tout de suite très ami avec l'abbé, qui était très jeune encore, et je l'ai revu encore récemment. Cette amitié a duré pendant toute notre existence. Et là, auprès du prieur, du maître des novices, j'ai pu poser beaucoup de questions. Et Don Emmanuel Constant, c'est ça ? Coutant, Don Emmanuel Coutant, qui a aujourd'hui qui a pris sa retraite, si je puis dire, et cédé sa charge d'abbé à un de ses anciens fils. Vous auriez pu vous arrêter là. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller chercher ailleurs ? L'idée que j'avais lue dans un livre de Jean Herbert, que vous mentionniez tout à l'heure, qu'il existait justement des êtres humains accomplis. Et je voulais voir. J'avais été très frappé, comme beaucoup, par des photographies, le regard de certains sages sur des photos. Bon, vous savez, c'est une question de destin aussi. On ne peut pas toujours tout expliquer rationnellement. Je rêvais d'aller sur place, de voir. Alors, ce regard, ces regards, vous nous les avez transmis dans ces 11 reportages. Je pense par exemple à Ashram, où on voit ces regards soutenus de ces grands maîtres que l'on découvre. Nous ne connaissions pas ces visages avant. Nous sommes en 1959, 1960. Nous voyons pour la première fois Swami Ramdas, Swami Sivananda, et puis la sainte hindoue dont parlait Mauriac, Manandamayi. Et justement, Mauriac, grand catholique devant l'Éternel, écrit ceci à propos de votre film, « Miracle de la télévision », dit-il, « admirable film qui m'a permis d'entrevoir ce point de rencontre où toutes les brebis de toutes les bergeries se rejoindront dans l'unique et éternel amour. » J'ai vécu des mois et des mois auprès de Ma. Mais je préfère à tous le souvenir des jours bénis de Vindhyachal. Dans le silence, un des disciples lit doucement. Ma ne dit rien, nous ne disons rien. Elle nous regarde, nous la regardons. Et tandis qu'avec le soir descend sur nous la paix qui dépasse toute compréhension, nous voyons briller dans ses yeux la lumière de la vie véritable, l'annonce que l'éveil peut venir nous arracher à notre monde de sommeil. Il avait compris, Mauriac. Oui, et il avait aussi écrit dans ce même article cette sainte fameuse de Bénarès, dont j'ai oublié le nom, quelque chose comme ça, et dont le regard a une telle puissance que nous-mêmes, occidentaux et chrétiens, resterons longtemps sous son influence. Ce film a nourri mes méditations de cette semaine. Alors, justement, dans tous ces regards, il y a quelque chose de commun. L'amour. La liberté intérieure, la paix, la sérénité, immuable, et la compassion. Alors, ces hommes, cette femme, surtout ces hommes, on les considère comme des gourous. Alors chez nous, c'est un mot qui fait terriblement peur, qui généralement apparaît dans la presse à l'occasion de la découverte de scandales liés aux activités de certaines sectes. Alors vous-même, Arnaud Desjardins, vous êtes un gourou. Écoutez, dois-je me méfier ? Êtes-vous un homme dangereux ? Ça, c'est votre affaire. Bon, c'est vrai, c'est assez étonnant. Quand on a beaucoup vécu en Inde, où le mot gourou est tellement sacré, c'est un mot sanscrit, je crois. Oui, c'est un mot sanscrit, qui a différentes étymologies, donc différentes significations, entre autres celui qui dissipe les ténèbres, ou qui apporte la lumière. Les Tibétains, qui se rattachent au Mahayana, utilisent aussi le sanscrit, le même mot gourou, ce mot qui est tellement sacré, sur lequel la littérature hindoue ou tibétaine a écrit des textes tellement beaux, il est devenu, en Europe, enfin en langue française en tout cas, synonyme d'escroc, aigrefin, charlatan. Je lis un peu les journaux et je regarde un peu la télévision. Voilà, alors est-ce que
Quel sens nous donnons au mot? Ce serait curieux si tout d'un coup le mot prêtre signifiait escroc. Alors justement, il y a plusieurs définitions du gourou. Mahanandamayi disait finalement, le gourou c'est vous, il est en vous. Ah oui, il s'agit de le découvrir, au vrai sens du mot découvrir, c'est-à-dire de dissiper peu à peu les peurs, les désirs trop forts, les conflits, les contradictions, toutes les complexités du psychisme, tout ce qui nous agite, nous trouble, pour pouvoir dégager une sagesse qui est inhérente, intrinsèque, mais enfouie et recouverte. Alors qu'est-ce que Swami Prajnanpad vous a apporté que vous n'aviez déjà? Ah, vous me demandez qu'est-ce qu'il m'a apporté, la question serait plutôt qu'est-ce qu'il m'a enlevé? Ou de quoi est-ce qu'il m'a débarrassé? Oui, débarrassé. On me pose parfois la question, on me l'a souvent posé, mais tous vos sages, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Et la vraie réponse, non, c'est qu'est-ce qu'ils ont de moins que nous? Qu'est-ce que nous avons encore et qu'eux non plus? Nous avons encore des peurs, des mouvements d'agressivité, des contradictions intimes, des doutes qui peuvent s'éroder. C'est d'ailleurs le sens précis du mot sanskrit akshaya, érosion. Alors, qui peuvent s'éroder peu à peu. Lui aussi, c'était un homme remarquable, puisqu'on a écrit un ouvrage à son sujet qui porte ce titre d'ailleurs, Le sage des sages pour vous. Vous écrivez ceci. Ah, je ne dirais pas le sage des sages comme s'il y en avait un. Je dirais vraiment un sage, si nous employons ce mot, parmi beaucoup d'autres. Je ne dirais jamais qu'il était plus grand, mais qui, pour moi personnellement, a été celui dont la méthode, la manière de diriger pouvait convenir le mieux. En outre, il parlait anglais couramment et on n'avait pas besoin d'interprète, ce qui était déjà beaucoup. Alors vous dites ceci justement à propos de Swami Prajnanpad, « J'ai senti, dites-vous, très nettement qu'il fallait que je me soumette à un maître si je voulais vraiment devenir un chrétien. » Ça paraît paradoxal, n'était-ce pas, en quelque sorte, pour employer une expression populaire, aller chercher midi à 14 heures? Quand j'ai rencontré Swami Prajnanpad, Swamiji comme on dit en Inde, pour un Swami, puisque c'est le titre, un religieux. Il y a 16 ans que je me considérais comme engagé sur une voie de recherche spirituelle. Mm-hmm. D'abord dans les groupes Gurdjieff, où j'ai découvert, reçu beaucoup, même si ensuite j'ai senti que je devais aller plus loin. La découverte de la vie contemplative dans le monastère de Notre-Dame de Bellefontaine en Vendée. Et j'étais marié, père de d'un enfant à cette époque, le deuxième n'était pas né, je ne pouvais pas envisager cette vie monastique, et je cherchais désespérément une voie, une démarche qui me permette, tel que j'étais, avec mes ambitions, mes craintes, mes investissements dans l'existence, et cette recherche spirituelle, une voie qui me permette d'évoluer peu à peu, de devenir plus mûr, plus adulte, avec une plus grande connaissance de moi. Et comme je vous le disais tout à l'heure, une voie qui permet d'éliminer tout ce qui me rendait moi, je ne parle pas pour d'autres, incapable de vivre vraiment ce que je lisais et relisais dans l'Évangile. Ce n'est pas si facile d'aimer vraiment ceux qui nous apparaissent comme des ennemis. Ce n'est pas si facile de pardonner toutes les offenses, etc. Alors je disais avec un peu de précipitation tout à l'heure en vous présentant, vous aviez atteint l'éveil en 1971, c'est pas aussi simple que ça tout de même. Non, je suis pas partisan des grands mots comme éveil, libération, là on ne donne pas un diplôme comme celui qui a fait sa thèse et à qui un jury donne un doctorat. Il s'est passé à un certain moment une grande bascule intérieure. Qu'est-ce qui a changé en 1971 Arnaud Desjardins? La disparition. Ça paraît prétentieux ce que je vais dire, la disparition radicale et définitive de la peur, quelles qu'aient pu être ensuite les circonstances, les éventualités. Si on vous dit là maintenant, vous avez encore 5 minutes à vivre, vous n'avez pas peur? Non, honnêtement, je vous regarde dans les yeux, je vous dis non. Assise,
27 octobre 1986, c'est la première rencontre des religions pour la paix. Autour de Jean-Paul II, des représentants de toutes les grandes religions de la planète, des bouddhistes, le Dalai Lama, des orthodoxes, des protestants, des anglicans, des musulmans, des juifs. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette image ? Et ce qui me plaît, ce qui me touche, c'est le rassemblement. Je peux dire vraiment, ça a été un thème directeur de toute mon existence, que j'ai vécu par moments très douloureusement en constatant les conflits, les incompréhensions, les jugements portés par une religion sur une autre. Et l'idée même de cette division de l'humanité en religions qui sont toutes certaines d'être, sinon la seule, du moins la meilleure. Est-ce que votre éducation vous préparait, disons, à cette espérance œcuménique ? On l'a dit, vous êtes né dans une famille protestante, donc relativement austère, stricte, mais vous y aviez, je pense, une tante qui avait l'habitude de recevoir des oui. hommes de toutes les confessions. J'ai grandi à la fois, c'est vrai, dans le souvenir de ce qu'avaient été les persécutions contre les protestants sous Louis XIV, après la révocation de l'édit de Nantes. On en parlait encore trois siècles plus tard. Mais il y a un prêtre qui était ami avec mon père et qui venait de temps en temps chez mes parents. Alors voilà, mais c'était presque un peu curieux. Et puis une sœur de ma mère qui était une admiratrice de François d'Assise, qui allait chaque année à Assise, et qui fréquentait un franciscain. Et déjà, ça me touchait. Mais je me souviens, petit garçon, m'être arrêté à la porte d'une église sans oser entrer, regarder cette pénombre, tous ces cierges qui brillaient. Interdit. Non, n'exagérons pas. Mais ce qui me frappait surtout, c'est que pour 13 ans, 14 ans, 15 ans, pour les autres protestants autour de moi, cette division du christianisme ne posait pas un vrai problème. Pour eux, le catholicisme avait dégénéré, Luther et Calvin l'avaient réformé, et ça s'arrêtait là. Et moi, c'était insupportable. Mais c'est pas possible, comment les chrétiens, au nom de Jésus, il faut s'aimer, pourquoi est-ce qu'on s'est disputé ? Et à partir du, je dirais presque, à partir du moment où, en tant que protestant, j'ai découvert avec admiration toute la littérature mystique, contemplative et mystique du catholicisme. Une fois qu'on a franchi un pas de plus, et j'ai voulu découvrir l'hindouisme, le soufisme, ce qu'il y a de plus profond, de plus convaincant et de plus tolérant dans chaque spiritualité. Et ce qui m'a frappé, année après année, c'est de voir la conviction, par exemple, d'un musulman. Mais Arnaud, c'est Dieu lui-même l'a promis. Dieu lui-même, l'humanité un jour sera musulmane. Dieu a envoyé un ultime prophète, le sceau des prophètes, pour rectifier les erreurs des chrétiens. Et les chrétiens ne veulent pas accepter la volonté même de Dieu à travers son prophète. Bon, c'est une conviction. Et bien entendu, si vous parlez à un théologien chrétien, il ne tiendra pas les mêmes propos. Alors que chez les grands spirituels, les maîtres et leurs meilleurs disciples, je n'ai jamais entendu ce langage. Il n'était question que d'amour, de compassion, et plus techniquement, de sagesse, de maîtrise de soi, de purification des émotions négatives. Vous voulez dire que ni Swami Prajnanpad, ni Mahanandamayi n'avaient la vérité ? Ou que tous ont la vérité, exprimée différemment. L'Inde est une formidable terre d'accueil religieuse. Il y a bien entendu des hindous, ils sont même majoritaires. Il y a des musulmans, des chrétiens, des sikhs, des bouddhistes, des jaïns, c'est ça ? Et pourtant, Gandhi a été assassiné par un fanatique hindou. Ah, hélas. Si nous voulons chercher le côté sombre, atroce de la vie religieuse, il est partout. On peut toujours faire le procès. Bon, on fera le procès de l'islamisme, l'autre de la violence chez les hindous, d'autres de l'inquisition dans le christianisme. Les deux sont là. Le malin, le prince de ce monde, s'infiltre volontiers dans les milieux religieux. Et c'est le malin qui s'est infiltré dans l'hindouisme pour organiser la société en caste, à votre avis ? Ah non, ça c'est un autre thème, je ne crois pas qu'on puisse vraiment l'approfondir. L'organisation de la société en caste est beaucoup moins monstrueuse que les occidentaux n'en sont convaincus. Ce qu'on peut dire de l'Inde, c'est que pendant 3000 ans peut-être,
L'Inde a réussi à faire vivre ensemble des communautés ayant des mères, une culture, une religion très différentes. Les gens s'ignoraient, mais ne s'entretuaient pas. Et chacun laissait l'autre. Mmh. Vous êtes par-ci, vous êtes par-ci. Vous êtes jaïn, vous êtes jaïn. Vous êtes musulman, vous êtes musulman. Y compris les différentes branches de l'hindouisme. Ce serait très intéressant à approfondir cette société multiple où la tolérance, sauf exception ici ou là, a régné. Et la division en Inde, il faut bien le dire, elle est venue beaucoup à partir du colonialisme. Et c'était, vous connaissez, divisé pour régner. Mmh. Les Anglais ont toujours souhaité monter les unes contre les autres les communautés indiennes. Alors, vous parliez du malin. Une des idées majeures de Gurdjieff, c'est que le loup et l'agneau coexistent en chacun de nous. On retrouve là quelque part la non-dualité, l'atman et le brahman. Est-ce que finalement le malin suprême, ce n'est pas notre idéalisme, comme vous l'enseignez, Swami Prajnanpad? Je dirais notre ignorance, au sens oriental du mot. De ne pas nous connaître nous-mêmes, de ne pas savoir vraiment le secret de notre propre être, de notre propre conscience, et d'être mené par des mécanismes, des jeux d'action et de réaction sur lesquels nous n'avons pas grand pouvoir. Mais tant que le moi individuel, avec son arrière-plan de peur, de frustration, de désir, mène le jeu, nous ne pouvons aboutir qu'à des incompréhensions et à des conflits. Et je dois dire aussi que pendant ces années de recherche, je n'avais pas une mentalité d'ethnologue ou d'anthropologue. Et ce qui m'intéressait, c'était toujours qu'est-ce qu'il y a de précieux. Les turpitudes de l'hindouisme, elles existent. Qu'est-ce qu'il y a de précieux? Qu'est-ce qu'il y a de précieux? Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut aider d'autres? Bon, cette tolérance m'a beaucoup touché. Mais est-ce que le danger n'existe pas, Arnaud Desjardins, d'en concevoir une sorte de syncrétisme, d'aller chercher un peu dans l'hindouisme ce qui vous convient, dans le bouddhisme ce qui peut vous apporter davantage, et ainsi de suite? Ça, c'est un danger. Le syncrétisme, un peu de ceci, un peu de cela, c'est certainement un danger. Ah, parce que ça risque de tout dénaturer en même temps. De tout dénaturer. Il faut aller vers l'essentiel, mais en prenant appui, tant qu'on en a besoin, sur une voie avec ses symboles, ses rites éventuellement. Alors, il y a des voies différentes, plus ou moins dépouillées. Mais il y a la réponse célèbre d'un sage hindou il y a longtemps, à qui un Anglais avait dit, mais il fait émerveiller, est-ce que je devrais me convertir à l'hindouisme? Et le sage lui a répondu, je vous convertirai à votre propre religion. C'est très hindou comme réponse. À votre avis, est-ce que le pape Jean-Paul II est un sage? Écoutez, je n'ai pas de qualification pour eux. Pas la moindre qualification pour juger le pape Jean-Paul II. Je ne veux pas du tout entrer dans les questions d'éthique et savoir s'il est scandaleux ou non de faire des réserves sur l'usage de tels moyens contraceptifs ou autre. Ce que je peux dire, c'est que j'ai lu certaines paroles de Jean-Paul II ici ou là, avec lesquelles je me suis senti profondément en affinité. Ça, oui. Oui, c'est un mot important pour vous. Hein. Oui. Le mot oui. C'est le mot le plus important. C'est le vrai sens de Amen, en fait. Qu'il en soit ainsi, et de Om en sanskrit. Qui veut dire voilà comment il faut le décomposer. Oui à Brahma, oui à Vishnu, oui à Shiva. Ça veut dire oui à l'apparition des phénomènes, oui à ce qui est là, oui à la disparition de ce qui s'en va, meurt, oui au changement permanent, à l'évanescence, et agir en fonction du oui à ce qui est, agir bien sûr, et pas à partir d'un refus qui ne peut que créer des tensions et nous couper de la communion. Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Bien, votre phrase, Arnaud Desjardins, je l'ai là sous les yeux, elle figure telle qu'elle, en latin, dans un missel qui date d'avant Vatican II. Ubi caritas et amor, Deus sibi est, ce que l'on peut traduire en effet par là où règne la charité et l'amour, Dieu réside. Alors, est-ce parce que vous avez gardé en quelque sorte la nostalgie de la liturgie d'avant Vatican II que vous avez choisi cette antienne de Jeudi Saint ? Non. Non, c'est simplement parce qu'elle dit, là où il y a l'amour et la charité, ou l'amour et la compassion, Dieu est là. Et ça me paraît fondamental. C'est tellement plus important pour nous tous aujourd'hui, dans ce monde déchiré, plein de désarroi, où les gens n'ont plus d'espérance, ou tellement doute, ou au contraire se crispe sur des positions dogmatiques, intégristes, c'est tellement important de revenir à cette vérité toute simple, la religion ou la spiritualité, c'est l'amour. C'est une chose qui revient très souvent dans les entretiens que vous accordez, notamment à votre ami Gilles Farset, dans ses confidences impersonnelles, reparues récemment chez Albin Michel. Vous dites ceci, l'amour, c'est l'amour. Et il n'y a pas lieu de distinguer l'amour chrétien de l'amour bouddhiste ou de l'amour soufi. Un être vit, il est ou non en état d'amour du prochain, voilà la seule question. Et oui. Là, nous le citons en latin, c'était l'antienne du Jeudi Saint, là, c'est fondamental. Bien sûr qu'en tant qu'être humain, m'appuyant sur une théologie chrétienne, je vais être mal à l'aise au niveau des dogmes avec le bouddhisme. C'est une approche négative de l'existence, c'est une sotériologie négative. Le bouddhisme ne propose qu'une mystique naturelle, mais pas une mystique surnaturelle. Ça me paraît important à son niveau, mais tellement secondaire dans le monde actuel, entre, d'une part, je le redis, le désarroi, le désespoir, le matérialisme le plus pauvre, et l'intégrisme. Là où quand un être humain incarne l'amour, irradie l'amour et est établi dans l'amour, je dis à mon tour, là Dieu est, qu'il soit hindou, qu'il soit bouddhiste, qu'il soit soufi. D'ailleurs, on ne peut, tant que ce qu'on appelle, l'ego individuel subsiste, l'amour est forcément limité encore. On ne peut même pas dire qu'un être humain aime. Dieu aime à travers un être humain, même si cet être humain est un bouddhiste qui ne reconnaît pas particulièrement un Dieu personnel. Je ne voudrais pas vous flanquer de devises, mais enfin, il y a une phrase qui revient souvent chez vous, c'est « moi d'abord, et puis moi et les autres, et puis les autres et moi, et puis les autres ». C'est ça, je dirais, le chemin. Tout à fait. C'est une parole de Swami Prajnanpad, mon gourou, comme nous disions tout à l'heure. La progression. Myself only, myself and others. Others and myself, others only. Peu à peu, oui, bien sûr. Moi, un peu moins moi, un peu plus les autres. C'est la voie. Vous avez dit ego en latin, la phrase elle-même est une phrase latine au départ. Le français est une belle langue, mais une langue pauvre. Alors, derrière le mot amour, il y a beaucoup de choses. Et vous ajoutez, l'amour dont je parle n'asservit pas, mais libère. Il y aurait amour et amour. Et oui, un missionnaire me disait, en bantou, il y a trois mots pour amour. Et en fait, nous n'en avons qu'un en français. Ou alors amour et charité, ou amour et compassion. En grec aussi, il y a trois termes. Qui sont ? Eros, je voulais un peu, philéo et agapé. Trois niveaux d'amour. Alors justement. Il y a un je t'aime qui signifie aime-moi. C'est par toi particulièrement que je veux être aimé. Et comme possessif en quelque sorte. Inévitablement. Le but c'est d'être en état d'amour. Alors à la fin de l'évangile selon saint Jean, il y a un dialogue entre Jésus et Pierre qui est terrible. Pierre, m'aimes-tu ? Pierre répond, et là vous faites allusion à la langue d'origine, au grec, de ce chapitre-là. Il y a agapé, il y a philéo. On a l'impression que Pierre n'arrive pas à l'agapé, qu'il reste dans philéo. Oui, ça c'est un thème, malheureusement je suis pas, j'ai fait du grec au lycée, mais enfin, je ne suis pas du tout vraiment un helléniste. Mais le retour au grec de l'évangile m'a passionné, à mon niveau, disons, d'autodidacte.
dans ce domaine. Et puis j'ai de bons amis dominicains, jésuites ou autres, très érudits et qui m'aident. Bon, effectivement, la traduction française ne rend pas justice. Pierre, m'aimes-tu ? Tu sais bien que je t'aime. Pierre, m'aimes-tu ? Tu sais bien que je t'aime. C'est trois fois le même mot en français. Ce sont deux mots différents dans le texte grec. Comme si Pierre n'arrivait pas à aimer, voilà, de manière supérieure. N'arrivait pas à aimer au niveau... à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après le... On va peut-être faire bondir les théologiens qui regardent, mais là, on touche à un point central dans votre analyse, justement, de l'amour dans le christianisme. Vous organisez les choses de manière à opposer, en quelque sorte, même si ce n'est pas dans votre mentalité, Arnaud Desjardins, les théologiens et les mystiques. On a l'impression qu'il y a eu confiscation par certains théologiens d'une certaine interprétation du mot amour, au sens de, finalement, la loi, de l'ordre, contre l'amour de saint Jean, l'amour des mystiques, qui serait davantage un amour de gratuité et de don. Oui, vous avez raison quand vous dites, mais si le mot opposition n'est pas... Bon, je pense que c'est plus important d'unir que d'opposer, mais ce n'est pas non plus, alors tout est pareil, réciproquement, non, etc. Non, non. Il y a l'approche contemplative qui est celle de l'expérience, et puis il y a l'approche intellectuelle qui est celle, disons, de la théologie. Maintenant, dans toutes les traditions, il y a eu des grands mystiques qui ont été en même temps des grands théologiens. C'est vrai de Mohiddin ibn Arabi dans l'islam, Shankaracharya en Inde, et bien entendu dans le christianisme aussi. Mais aussi beaucoup de mystiques martyrs. Je pense par exemple à Al-Hallaj dans l'islam, ou à Maître Eckhart, qui n'a pas été très bien traité, quand même. Écoutez, ça, c'est un thème qu'on voit dominer toute l'histoire de la spiritualité, l'opposition de l'esprit et de la lettre. C'est flagrant dans les évangiles, où le Christ, qui ne remet pas en cause la loi et les prophètes, remet en cause les sadducéens, ou les pharisiens, ou même les juifs pieux, et donne en exemple de foi. Même en Israël, je n'ai pas vu une foi parfaite en parlant d'un centurion romain, c'est-à-dire un occupant, Oni, en prononçant ses paroles parmi les plus belles pour une samaritaine, enfin, tous ces exemples sont connus, disant « l'homme n'est pas fait pour le sabbat, c'est le sabbat qui est fait pour l'homme », c'est toujours la suprématie inconditionnelle de l'amour inconditionnel sur la loi. Mais qu'est-ce qui a fait alors que, vous parliez des persécutions contre les Huguenots, les bûchers cathares, qu'est-ce qui explique alors cette déviation du message essentiel du Christ ? L'être humain lui-même, avec l'être humain tel que les psychologues aussi essaient de le comprendre, avec son inconscient, son manque de connaissance de soi, la réaction au choc de la petite enfance. Toutes ces spiritualités anciennes, telles que les maîtres les faisaient vivre à leurs disciples, comportaient une part extraordinaire, mais passionnante, de psychologie, connaissance de soi. Et dans un sens, pas connaissance de la réalité ultime en nous, connaissance de tous ces mécanismes égocentriques qui nous coupent ou qui nous voilent cette réalité profonde. Vous rappelez qu'avant d'être une théologie, le christianisme était aussi une école de sagesse. Est-ce à dire que pour vous, Jésus était un gourou ? Eh bien sûr. Le gourou ? Pour un chrétien, oui. Il y a une grande part qui est une part culturelle. Si nous étions nés au Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, nous serions tout naturellement bouddhistes. Si nous étions nés en Afghanistan, nous serions tout naturellement musulmans. Nous avons grandi dans un contexte chrétien et... appuyer sa démarche sur une autre culture, un autre symbolisme, d'autres rites, ça ne peut être fructueux que pour des cas très exceptionnels. Ça, c'est ma conviction. Ce ne sont pas les sculptures de Vishnu ou de Shiva qui ornent nos campagnes, mais des églises et des crucifix. Maintenant, notre propre religion, nous pouvons la comprendre d'une manière plus ou moins grossière ou plus ou moins affinée. Mais cette idée qui est présente aussi chez saint Jean, selon laquelle Dieu est amour, n'était pas présente déjà dans la religion de votre enfance ? Si, bien sûr. Mais ce que je n'avais pas trouvé, c'était une méthode,
une pratique qui permette d'éroder peu à peu les empêchements à l'amour, c'est-à-dire toutes les réactions à partir d'une souffrance, d'une blessure intime, ne pouvons qu'être contre. C'est toute une rééducation de pouvoir aimer sans que cet état d'amour soit voilé tout d'un coup par une réaction intime. Pour une part, c'est très simple, mais très difficile. Arnaud Desjardins, l'important avec un symbole, ce n'est pas tellement l'objet, c'est ce qu'on lui prête. Alors, que mettez-vous dans cet objet ? C'est une croix. Mais c'est une croix à trois dimensions et avec six directions. C'est un symbole qui serait parlant pour presque tous les hommes, quelle que soit leur culture et leur tradition. Et c'est pour ça aussi qu'il m'a touché. Mais c'est un symbole qui a joué un rôle important dans toute une part de la tradition chrétienne. Et là, se pose une question qu'on peut poser respectueusement. Est-ce que la croix, c'est uniquement le gibet, la potence du supplice et de la mise à mort de Jésus de Nazareth, ou est-ce que la croix en elle-même est un symbole très riche ? Et que la croix du Christ a ce double aspect de symbole et de réalité historique. Mmh. Je crois considérée comme une réalité historique indiscutable, même par les historiens profanes. Dans les débuts du christianisme, on a écrit, notamment Clément d'Alexandrie, des commentaires sur cette croix. Si on la transpose en deux dimensions, on a un X coupé par une barre verticale, une étoile à six branches. Et cet X coupé par cette barre verticale, la barre verticale c'est le I de Jésus, et le X c'est le début de Christos en grec. Ce qui fait que c'était un des premiers signes de graphique simple de la foi chrétienne. Alors, on peut voir beaucoup dans cette croix. Trois dimensions, six directions. À certains, elle évoquera la parole célèbre de saint Paul, « Qui peut mesurer la longueur, la largeur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu ?» On peut aussi se représenter les branches de cette croix comme s'étendant à l'infini à partir d'un point central, qui est le lieu où se croisent les branches. Et ce commentaire de Clément d'Alexandrie, que j'avais découvert et qui m'avait passionné, explique que les six jours de la création sont une création permanente, simultanée, et qu'à partir de la source, de l'origine, sans cesse, cette création est à l'œuvre. Et les six branches de la croix représentent les six jours de la création. Et le point central où elles se croisent, le septième jour, celui du repos. Alors, un hindou emploiera un vocabulaire, le passage du non-manifesté au manifesté. Un chrétien s'appuiera sur l'évocation de la création dans la Genèse. Il y a eu aussi des commentaires qui ont insisté sur le fait que cette croix est semblable à un arbre, et on l'a rapproché de l'arbre de vie au centre du paradis. On a même vu dans les quatre branches horizontales les quatre fleuves du jardin d'Éden, du mythe d'Adam et Ève. Ensuite, et quand la croix est en bois, le bois est très souvent représenté comme le symbole de la matière première, la matière fondamentale, c'est-à-dire l'introduction de la mesure dans l'infini ou dans l'illimité. Enfin, je ne voudrais pas faire de l'érudition qui nous éloignerait de notre propos, mais ça m'a beaucoup intéressé aussi à une époque de découvrir dans,
des vieux textes chrétiens un aspect un peu ésotérique, disons, intellectuel, d'approfondissement, de compréhension, que je découvrais dans mon étude, en grande partie livresque à l'époque, je dois le dire, des autres traditions. Vous venez de le dire, vous avez beaucoup lu Clément d'Alexandrie. Enfin, j'ai lu certains textes. Quand un texte qui était cité dans un livre me frappait, alors je disais, je vais lire le contenu. On le considère un peu, dans certains milieux, comme le prince de la gnose. Est-ce que vous êtes un gnostique ? Ça dépend encore quel sens nous allons donner à gnose. Si nous décidons au départ de donner un sens péjoratif ou hérétique au mot gnose, il faut que je sois prudent. Ça a été très souvent le cas. Oui. Si on prend gnose au sens de connaissance, qui est l'équivalent dans les langues européennes du sanskrit jnana, oui, chercher à approfondir aussi une connaissance, une compréhension, et utiliser l'intellect en dehors de cette purification du cœur qui demeurera toujours l'essentiel. Alors comme le rappelle René Guénon dans son livre sur le symbolisme de la croix existait avant le christianisme, elle fait partie aussi de ce fond commun que nous évoquions tout à l'heure, toujours est-il que dans notre société judéo-chrétienne, la croix représente d'une manière, je dirais, catégorique le passage de la vie à la mort et de la mort à la résurrection. On a l'impression, quand on relit votre vie, notamment dans le très beau livre que vous a consacré Gilles Farcet, L'aventure de la sagesse, que votre vie est une véritable succession de résurrection. Arnaud Desjardins. C'est plus positif que de dire une succession de morts, ou comme disent les psychologues, une succession de deuils. Faire le deuil de ceci, faire le deuil de cela. Oui, la vie, si elle est vraiment vivante, est un renouvellement. Une transformation, un changement permanent, et nous pouvons vivre ce changement d'une manière douloureuse en nous attachant au passé qui nous lâche, ou d'une manière positive en acceptant cette nouveauté de chaque instant. Que le lâcher prise. Ah, le mot le dit bien. Je lâche ma prise. C'est un geste que Swami Prajnanpad exécutait souvent devant vous. Non, le geste que Swami Prajnanpad exécutait, c'était celui d'un point fermé qui s'ouvre peu à peu. Plus vaste, plus large, plus capable d'accueillir, de comprendre. Et puis un jour, l'ouverture est totale. L'ouverture du cœur et l'ouverture de l'esprit. Mais j'ai vu des maîtres tibétains aussi faire ce geste. Prendre un objet et puis le lâcher. C'est une expression célèbre, et qu'on comprend différemment à mesure qu'on évolue ou qu'on progresse sur la voie. Pas qu'on comprend intellectuellement, qu'on comprend de tout son être. Et quel sens lui donnez-vous aujourd'hui ? Le sens le plus accessible correspond à l'expression connue « abandon à la providence divine ». Je ne me crispe plus pour, contre la réalité actuelle, trop souvent en conflit ou en avidité, me battant. Je laisse le courant de l'existence me porter plus. C'est une attitude de détente. Abnégation. De soumission. Résignation. Non, moi je n'aimerais pas ces mots qui ont manifestement une consonance négative. Il ne s'agit pas de privation, de mutilation, par moment, oui, d'un effort, d'une discipline comme on s'impose dans toute l'activité. Un champion sportif qui s'entraîne se demande certains efforts. Mais toujours dans un esprit de détente et surtout de paix. Faire la paix. Remplacer tous les conflits par la paix. Une chose que vous répétez aussi beaucoup, c'est la vraie mort, c'est la séparation de l'âme et de Dieu. Est-ce à dire que pour vous, une fois pour toutes, le royaume est au fond de nous ? Et oui, le royaume, c'est le fond du fond. De notre être, de notre existence, de notre réalité, de notre vie. Nous ne sommes pas donnés à nous-mêmes l'existence ou l'être, nous ne sommes pas donnés à nous-mêmes la conscience, nous ne nous donnons pas instant après instant la vie, ce qui ne dépend pas du tout de nous, qui nous est complètement donné, c'est dans cette direction que nous pouvons chercher ce royaume intérieur, à la source de notre être.
Mais c'est tellement une question de vocabulaire. Justement, vocabulaire, résurrection, réincarnation. Y croyez-vous ? Ce n'est pas un thème qui a joué un grand rôle dans mon existence. Il y a des indices qui amènent à se poser la question. Y a-t-il quelque chose qui se transmet d'une existence à une autre ? Mais c'est un thème auquel il faut maintenant être attentif parce que c'est devenu une mode de revivre des vies antérieures et puis avoir une part immense d'illusions quand ça n'est pas se faire prédire ses vies futures. Et le plus souvent, pas toujours, mais trop souvent, c'est une distraction sur la voie. Ce que je ne peux pas nier, c'est que j'ai dû constater qu'il existait dans le psychisme humain des marques très fortes qui peuvent revenir comme des souvenirs avec un goût de revécu manifeste et qui ne s'expliquent pas par cette existence-ci. Alors, quel est le fait n'est pas discutable. Mais ce qui est très discutable, c'est l'interprétation, les conclusions qu'on en tire. Arnaud Desjardins, s'il y a un titre que vous refusez, c'est celui de prophète ou de devin. Et pourtant, dans Nouvelle Clé, en 1991, vous dites ceci. « Je pressens, dites-vous, un événement culturel et spirituel imprévu et d'une immense ampleur. » De quoi parlez-vous ? Bon, c'est un pressentiment, une loi d'attraction des contraires, d'induction des contraires, fait que c'est souvent dans les époques culturellement et spirituellement les plus douloureuses, les plus critiques, que les grands renouveaux spirituels se produisent. Et j'ai l'intuition qu'un grand renouveau spirituel se prépare. Voilà. Vous citez aussi souvent une phrase de Krishna dans la Bhagavad Gita. Oui. Qui disait quoi exactement ? Chaque fois que le dharma, c'est-à-dire l'ordre juste, l'ordre humain conforme aux lois divines, se dégrade, je me manifeste, ou je m'incarne pour rétablir la justice. Voilà. C'est une idée très hindoue qui dit que la vérité ou la réalité ultime peut prendre une forme humaine et pas une unique incarnation. Encore, il faudrait savoir ce que les hindous entendent exactement par là. Ça va dans ce sens. Et on trouve l'idée de confiance qu'on évoquait tout à l'heure. De ne pas être désespéré parce qu'il existe une réalité. Je suis convaincu maintenant. Qu'il existe bien. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas une élucubration d'intellectuel. Qu'il existe, que les sages, les grands enseignements spirituels ne nous ont pas menti. Qu'il existe une réalité qui transcende toutes les souffrances, qui transcende la destruction, qui transcende la mort, quel que soit le nom que les hommes lui donnent. Alors je suis à la fois, bon, je peux le dire, pessimiste en ce qui concerne l'évolution actuelle du monde et de la société. On a l'impression que c'est la société entière qui a perdu ses mécanismes de défense, qui est atteint d'une sorte de syndrome d'immunodéficience. On voit la dégradation se faire, quelque chose qui eût été mais inimaginable il y a seulement 50 ans, fût-ce dans certaines émissions de télévision, ou dans la réalité, et un pas de plus dans la dégradation, et un pas de plus dans la dégradation, et un pas de plus dans la dégradation, et il y a plus, comme si la santé de la société elle-même ne pouvait plus se défendre. Donc de ce point de vue-là, oui, on va dire mais que vous êtes pessimiste. Et de l'autre, ce pessimisme est illuminé par cette foi, cette espérance, cette conviction spirituelle. Alors, vous disiez tout à l'heure, la progression, cela signifie éloigner les peurs. Toujours est-il que deux craintes subsistent chez vous, pourquoi ne pas les évoquer, celle de la montée des intégrismes et de ce que vous appelez le marché de l'ésotérisme.
Oui, dans ce domaine auquel j'ai peu à peu consacré mon existence. Il y a là, dans ce domaine précis, deux points qui ne sont certes pas heureux. L'un, c'est le durcissement des positions. Au nom d'enseignements qui ont tous prêché l'amour et la compassion, on en arrive à se haïr. Je me souviens un jour d'un dessin extraordinaire. Je ne sais plus s'il était de Sempé, je ne peux pas le prendre. On voyait deux foules haineuses avec des chaînes de vélo à la main, à l'assaut l'une de l'autre. Ils avaient des grandes pancartes, il y avait les partisans de l'amour universel contre les partisans de la compassion illimitée. Ce dessin, je dis, faisait froid dans le dos, parce qu'il y a ce risque de haine, disons le mot. Et puis, ce qui est un peu triste, c'est cette prolifération assez incohérente d'offres qui sont faites, de voix spirituelles qui n'ont pas grand fondement, qui n'ont pas de racines, qui n'ont pas fait leurs preuves à travers l'histoire, et qui très souvent sont, au bout de peu de temps, finalement décevantes. Ce que vous dénoncez comme de l'exercice illégal de la sagesse, en quelque sorte. Mais dans le magazine Source, en 1991 toujours, vous écrivez ceci: « Le réveil spirituel de l'Occident ne peut pas consister à adopter l'islam, l'hindouisme ou le bouddhisme, mais seulement à retrouver un christianisme généreux, tolérant, qui puisse convenir à tous. Le 21e siècle sera chrétien ou ne sera pas ?» Pour nous, non, je ne dis pas que le 21e siècle sera l'adoption de la foi chrétienne par la totalité des hommes sur la planète. Je suis sûr que les musulmans resteront musulmans, les hindous resteront hindous. Mais une grande purification de chacune de ces traditions ou de ces fois. Et un retour au christianisme tellement convaincant des évangiles. Arnaud Desjardins, merci. Espérons que l'avenir vous donne raison. Je renvoie maintenant nos téléspectateurs à vos cassettes et à vos livres. La plupart ont été édités à la Table Ronde. N'hésitez pas, si vous souhaitez obtenir la liste complète des œuvres d'Arnaud Desjardins, à nous écrire à Nom de Dieu, RTBF, Palais des Congrès, 4020 à Liège. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. L'émission d'Edmond Blatienne, Nom de Dieu, existe aujourd'hui en cassette et 9 titres sont déjà disponibles. Vous les trouverez dans les librairies et à la RTBF. Tout renseignement au 02 737 24 90.